Eh bien, le dernier plat végétarien qu'on va parler, bah, c'est votre tofu de Noël sauce ragoût grand-maman. On l'a appelé sauce ragoût grand-maman parce que ça part de la grand-maman de Yann, notre chef du soir, qui a voulu essayer de représenter. Elle ne faisait pas de tofu, sa grand-maman, mais elle était à vouloir justement, il voulait retrouver les saveurs qu'il avait dans son enfance. Donc là, il vous a travaillé. Il vous a concocté vraiment dans un système de ragoût de boulettes, un plat vraiment comfort food où vous allez vous régaler et puis retrouver vos Noël passés. Donc ragoût de boulettes, bah, automatiquement, qui dit ragoût, une assiette blanche de fond, un produit bien chaud, vous mettez ça facilement 300 à 350, puis on va le garder au minimum 45 minutes. Donc votre ragoût de boulettes au fond avec vos tofu. Puis moi je vais utiliser une autre confiture de turcotte que fraises et sureau, petit sureau, petit fruit québécois. Donc qui va justement amener la petite touche de Noël, mais vous pourriez aussi aller avec votre confiture que vous allez retrouver, votre confiture de Noël, qui est vraiment dans des saveurs et des épices, de la cardamome qui va très bien se marier avec tout ça. Donc ça, juste un petit trait sur vos deux bords d'assiette. Puis là, on va aller beaucoup plus sur la feuille de capucine, histoire de donner un petit côté aérien à notre ragoût qui va prendre la majeure partie de l'assiette, et quelques pétales. On va aller chercher beaucoup plus des pétales dans le mauve, donc la fleur de bleuet qu'il arrive encore à avoir à cette période puisqu'il a une serre magnifique qui est sur l'île d'Orléans, et rappelez-vous, il peut vous livrer directement à la maison, donc c'est vraiment, il fait le service au particulier. Donc la recette de Yann, la recette grand-maman, est prête à servir.